est positif. On était très chanceux. Hier, la météo semblait pas de notre côté, mais finalement, ça, le ciel s'est dégagé. On a eu une super journée, une belle soirée également. Au niveau des chiffres, il est encore beaucoup trop tôt, évidemment, pour faire quelques bilans que ce soit, mais le feeling des gens qui circulent en ville, qui circulent dans le quartier du Champlain et tout ce secteur-là, beaucoup de croisiéristes également sont en ville pendant les fêtes, les grands feux ont amené un achalandage naturel. Donc, pour nous, c'est très, très positif de revenir ici dans le secteur du Champlain. Nous aussi, on a été bénis par les dieux pour la température. Ça a été merveilleux. On a été chanceux à tout point de vue. Et on a eu un spectacle extraordinaire hier de Caillouche qui a été vraiment très, très bien apprécié. Et juste à temps, la température a commencé à faire rentrer les gens à l'intérieur du bistrot SAQ. Donc, les gens ont pu continuer à apprécier la musique traditionnelle de Caribou. Alors, ça a été merveilleux pour hier soir, alors que d'autres ont peut-être vu les orages. Nous, on a vu la joie de vivre des Fêtes de la Nouvelle-France. On est à la 21e édition quand même. Il y a eu des années fabuleuses aux Fêtes de la Nouvelle-France. L'achalandage se calcule pas uniquement à la porte d'entrée parce qu'on a beaucoup de nos sites qui offrent la programmation gratuite, comme c'est le cas à Place des Canotiers, comme c'est le cas à Place Royale. Le défilé d'ouverture également, pour lequel il y avait un achalandage encore une fois spectaculaire. Les gens sont au rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est annuel, l'occasion de rencontrer les gens qui font des reconstitutions historiques, les tirs également de fusils qui sont toujours spectaculaires, autant pour les oreilles que pour le spectacle. Donc, les gens en ont bien profité et nous, on est très heureux de ce qu'on a vécu au cours des 4 dernières journées.